Cette vidéo concerne Jules Collinet. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Joseph Jules Collinet né le date de naissance 25 novembre 1822 à Reims et mort le date de mort 16 décembre 1903 à Reims est un peintre français. Biographie: son père Toussaint Collinet de Nepou 1792-1841 est vérificateur des poids et mesures. Jules Collinet fait ses études au lycée Georges Clemenceau Reims, lycée de Reims. Il suit pendant 3 ans les cours municipaux de dessin. À l'âge de 20 ans, il décide de suivre sa vocation artistique vers la peinture. Après une première formation auprès du peintre suédois rémois Charles-Auguste Herbe, il se rend à Paris et entre dans l'atelier de François-Édouard Picot. Il fréquente l'Académie suisse de Paris Gallica et de ses Eugène Dupont la rue Neuve-Gambetta 1830-1914. Ils se marient avec Héloïse Nicole Coutin et vont habiter Maison Lafitte et reviennent à Reims après 1870. Sa fille Clotilde Julie, née le 9 octobre 1831, se marie avec le sculpteur Auguste Coutin. Mais d'ailleurs, Auguste Coutin, il eut une autre fille, Émilie Huvre, la rue Chanteur en église Saint-Rémy. Monsieur Robert, maître de chapelle de la cathédrale Charles-Auguste Herbe, le peigneur de laine, la femme au chauffoir, l'enfant à la colombe, le maçon, la repasseuse, un fumeur, une laveuse, la tireuse d'épines 1867, femme rêveuse dans un intérieur 1889. Notes et références: bibliographie Cécile Coutin, 3 générations d'artistes rémois, 1 la vie en Champagne, 1 50 liens externes, autorité base art, catégorie peintre français du XIX siècle, catégorie naissance en novembre 1822, catégorie 2 en décembre 1903, catégorie naissance à Reims, catégorie 2 à 81 ans.